wote tunakutanika hapa leo. Mimi na mingi ya kusema. Hii kualika ilikuwa kutaka kuwajulisha ya kwamba mkuwe mnajua kama kwetu sisi nyie wote mko watoto wetu, peu importe klase sociale yenu. Na mkuwe mnajua kama tunajua kama mko, tunajua kama mbeba mizigo iko, tunajua kama mlemavu iko, tunajua kama mtu wa chukudu iko, tunajua kama mtu wa sharete iko, na kuwajulisha ya kwamba tunajua kama ndani ya societe muko na faida kubwa sana ndani ya kupitia kazi yenyewe mnafanyaka. Msidekuraje, mzidi kuomba Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba kwenye huko ukiwa unatumika kazi yako Mungu atakukutia amo. Na ndio maana kwa siku ya leo nilipenda niprofite hivi, siwezi kuwapigia kasombe nyie wote mwenee mpango yangu, nikasema kwamba nataka kuprofite bonane hizi zinasogea, na nyie vituru yenu hii niwatie bonane, niwatuete bonne fete, na niwatuete mwaka mpya 2018. Sie wote Mungu atusaidie, atubariki, atuzidishie kutupatia pumzi ya maisha kwa ajili tuendelee kuishi pamoja kwa kuungana mkono. Si vile? Sasa tufanye hivi, kila mtu abakie kufasi yake, usikue fujo na desordre. Ndio maana nililomba ya kwamba kila mtu akuye na kifaa yake ya kazi, usiache kitu chako. Mi peke nitapita mbele ya kila mtu na kumsalimia na kumpatia bona naye yake aipokee kwa mkono wangu. Mungu awabariki na mkuwe mnajua ya kwamba rais wetu na mi mwenyewe mama yenu tunawapenda sana ninyi wote, peu importe. Asante sana na mtabakia salama. Na mi nasema tena, wandugu wote wenyewe ninawatia bonane hapa leo, bonane. Sisi wote tulipo, bona ne tena. Asante. Yo,
Thank you.
Président, oui, docteur. Thème. Natoka mimi na furahi sana. Ndio mara kwanza nipi niko. Ninaona kwa bibi ya kabila. Mumacho hivi. Ndio mara kwanza mimi naona mimi napokea envelope ya kutoka kwenye. Natoka mimi na furahi sana. Niwa persone wenye kuishi na ulemavu naona leo ni shangwe anawatakia bona. Natoka anatutakia bona na naendelea tusahau. Atuka tunafurahi sana shewa limagu ya kwa. Tulikia lisema tara isa libasalimia. Iyo tunafurahi sana. Shia tulikuwa tunawazaka mere atujue na raisi atujue. Hata hapa tunafurahi kwanza gizi. Hii atujue kwanza nyana tukwajizi. Nini munamwambia? Munamwambia nini mama? Atuka tunambia mere aendelea na hiu pendo tushewa limagu ya kwa tunateseka sana. Shia kazi yetu wenye tulikuwa tunapanyaka maisha tukungia. Donc tu savais qui a vu bien qu'on a gardé hier de la famille ici. En tout cas tu sais dire tu savais que mon papa est quoi. Tu sais pas tu sais dire mais tu voulais te nager. Après on se préserve à ce moment pour ici là où les mains. Quand ni à bas bas bon tu n'es pas là pour zunguru qu'on a semé ni. Il y a quand ça quand ni à bas bas bon tu n'es pas là ni zunguru qu'on a semé tu n'as pas dit à quand ça tient pour y. Na tunapokea bona nena noeli yenye na tukumi. Ingine tunateseka sana baba. Tunateseka, tunatuma mesaje kwenye hiko tunateseka. Yetiti bariere atupitake tena na joko nyo likuwa na tuambiaga tukumi. Atusaidie. Na tena tuko na walemavu benya habana tana fasi ya kuishi. Banaishi hivi hivi. Hakuna gizi ya kufanya. Tungilipata tana fasi kwenye wanenea ishi kumina kufurai. Tukumbushe jina wako la chini. Jina angu Kisimwa Mitima. Niko presidente wa Mechikafe. Kisimwa Mitima. Ndiyo. Asante. Habisi huyu. Kama tasema kufrancesi. Avudia vuko presidente. Je m'appelle au nom des chefs de travail, je suis le président du personnel avec un décalé dans la population du quartier. Vous venez d'être salué par la première dame du pays. Moi je l'avais avec une activité chaleureuse. C'est pour dire que je suis très content parce que notre maman il vient de nous reconnaître encore. Mais auparavant on était mécontents parce que notre état n'a pas voulu reconnaître la présence des personnes avec handicap au sein de la RDC. Mais vous avez la chance d'être reconnu par la distinguée première dame. C'est pour cela que j'avais félicité cette dame, la première dame, une personne qui a un esprit qui reconnaît aujourd'hui les personnes avec handicap. C'est-à-dire, nous sommes très contents, nous pouvons nous développer parce que la mère vient de nous reconnaître aujourd'hui. Qu'est-ce que la personne vivant avec handicap veut contribuer pour que la première dame au lit de l'Inde puisse aussi rester toujours généreuse? Voilà pourquoi la personne vivant avec handicap est une personne qui contribue 15% de la population. Il faut nous aussi pourrait avoir la représentativité pour que les personnes vivant avec handicap soient représentées à l'ensemble provincial, dans tous les institutions et tous les institutions et établissements de la RDC. C'est pour dire que nous ne pouvons pas avoir un mot pour qu'on puisse les retenir dans le pouvoir si une fois elle est en train de nous reconnaître. Un message au chef de l'État qui vous a envoyé la salutation. Voilà, nous avions déjà reçu ce message-là. Nous pouvons dire que notre président, il puisse penser toujours pour nous, pour les personnes avec handicap, et nous pouvons faire que les handicapés puissent aller en avant, non reculer derrière. Parce que pour découvrir le développement d'un pays, il faut commencer pour les bas peuples. Nous, les personnes avec handicap, nous n'avons pas de travail. Mais nous pouvons dire que le papa puisse créer un travail. Vous savez, nous avions une association qui œuvre souvent à la petite barrière. Cette association, on a déjà fermé dans cet endroit là-bas. Nous avons un problème très sérieux jusqu'à ce moment, les enfants n'existent plus. Jusqu'à ce moment, pour avoir un soin,
radical. C'est tout un problème. C'est pourquoi nous demandons à ce que le papa puisse créer un travail pour nous. Le nom c'est qui? Moi, c'est le vice-président des handicapés, c'est un nom, mon nom c'est Chango Chabani. Chango Chabani. Chango Chabani. Chango Chabani. Sisi lakini ulishaonana na mama Olive Lembe. Ulishaonana naye tumefurahi sana. Na hata sije niseme ayo Mungu aendelee kumfariki na aendelee kutukumbuka jinsi wa vilema. Tunadharauliwa sana ndio anatupatia tena nguvu tena nafaa kusema na sisi tujisikie kama tumepata nguvu. Anabatalimia anabatakia bona nena Noele. Tunafurahi sana sana na tunamsalimia sana na Mungu amkubariki. Familia yake niko Kinshasa watoto mume wake baba rais unamwambia nini? Kwa tunasema merci sana na endelee kwa na ile upendo na kukumbuka shiwa kwa sababu mwenye kama kwa sana. Aendelee kwa na kukumbuka na yeye mwe anaweza kupatia kwa nene. Mwai kongo mzima wa vilema wana tarauni kwa sana. Thank you.
Come on, come on.